Le coup d'œil, la série qui décrypte tout ce que vous souhaitez savoir sur votre vue. L'œil, comment fonctionne-t-il ? C'est grâce à la lumière que nous pouvons voir le monde qui nous entoure. Ainsi, on compare souvent le fonctionnement de l'œil à celui des appareils photo avant l'ère du numérique. Qu'il s'agisse de l'œil ou de l'appareil photo, la mise au point est indispensable pour avoir une image nette. Tout au fond de l'œil se trouve la rétine, c'est l'équivalent de la pellicule photo, endroit où l'image doit se former. Tout à l'avant se situe la cornée, c'est la fenêtre de l'œil. Elle permet de focaliser la lumière sur le cristallin. Le cristallin, grâce à sa capacité de déformation, effectue la mise au point pour concentrer l'image sur la rétine, vous permettant ainsi de voir clair. Ce fonctionnement est efficace dans le cas d'un œil normalement constitué. En revanche, un œil présentant un défaut visuel comme la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme aura besoin d'une correction visuelle pour faire la mise au point sur la rétine. Ce contenu vous a été proposé par les verres optiques Nikon.